Astuce puissante. Un des plus grands secrets pour prendre de l'argent chez quelqu'un. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens partager avec vous comment obtenir de quelqu'un ce que vous demandez. Peu importe la personne, si c'est ton mari ou si c'est ta femme ou si c'est ton frère, ta mère, ton père, peu importe la personne. Si c'est ton patron, si c'est un fournisseur, ça marche dans tous les cas. Regardez la vidéo attentivement et du début jusqu'à la fin avant de venir me poser des questions sur WhatsApp. Je vous explique tout ici. Pour réaliser l'astuce, notre poudre magique, on va avoir besoin de 7 coris. Comme vous le voyez dans la vidéo, les coris qui sont là sont plus que 7. Maintenant, vous allez acheter 7 coris. Ça ne coûte rien. Voilà. Il y a deux différents types de coris là. Il y a les coris femelles, il y a les coris mâles. Donc, achetez les coris femelles. J'ai bien dit 7 coris femelles. On aura aussi besoin de poivre noir qu'on utilise pour faire la cuisine. Voilà, comme dans la vidéo. Regardez très bien. Achetez juste pour 50 francs, comme ce que j'ai attaché dans un sachet là. Il faut aussi que les 7 coris là aussi soient des coris anciennes. Prendre les 7 coris et le poivre noir attaché. Et passer sur tout votre corps. Je dis bien tout votre corps, de la tête aux pieds. Et après, partagez-les dans vos mains. Mettre les coris dans une main et les poivres attachés dans l'autre main. Cela se fait lorsqu'on est prêt pour aller se coucher la nuit. Donc, si vous êtes prêt pour aller dormir, c'est en ce moment-là qu'il faut faire l'astuce. On dort avec les coris et le poivre dans les mains. Une fois, passez ça sur votre corps et divisez ça dans les deux mains, vous allez vous coucher immédiatement. Le lendemain matin, vous verrez qu'en dormant, vous avez laissé tomber les coris et le poivre attaché. Ensuite, vous ramassez les coris et le poivre noir et vous les écrasez séparément en poudre fine. Après, mélangez les deux poudres ensemble. On lappe un peu de cette poudre si on veut aller demander de l'argent à quelqu'un ou aller demander un service. Parole à prononcer une fois la poudre lappée. Le dormeur ne garde pas due une chose dans sa main. Que telle personne, et vous prononcez le nom de la personne chez qui vous allez demander, que telle personne me donne ce que je lui demande. La peur de se voir refuser ou de paraître ridicule sont des barrières parfois ténaces. Alors qu'en appliquant quelques astuces, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir ce que vous désirez. Cette astuce, c'est la meilleure. Si vous sentez que vous avez de blocages dans votre vie, avant de faire l'astuce, réalisez un bain de déblocage, de désenvoûtement et purifiez-vous avant de faire la poudre ou avant d'utiliser cette poudre. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, rejoignez-moi sur WhatsApp. À la prochaine. Bye bye.